Rank 2-2. Aujourd'hui 6 étoiles. Hier j'en ai fait 2 ou 3. C'était vraiment explosé. Aujourd'hui on fera mieux que ça. C'est parti. Allez, il sera bientôt à toi. Une chance pareille ne va jamais se reproduire. Continue! Pourquoi tu ralentis? Tu y étais presque, allez! Hop, hop, hop. C'est quoi ce délire? Alors, t'as décidé de me faire ça? Nous faire ça? Pour des pixels? Ah, nique ton père et ta roulette là! Allez frère, ça me saoule, on se casse d'ici frère. C'est abusé le nombre de scammers, c'est dingue, putain, c'est vraiment c'est dingue. Première évaluation de ce clip. Déjà là je vois des choses qui m'intéressent. Le gars, j'ai rien vu du tout pour l'instant. Un face-it bien serré. Tu fais pas des face-it bien serrés quand t'es un noob. AWAP Asimov stat track. Ouh! 15 000 kills sur le stat track. Oh là là, oh là 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 là, il est max. Non, là il est max. Ça joue bien. Une belle prise. J'imagine qu'il va défoncer tout le monde vu que ce clip est sur enculeux. Oh là là, oh là là. Oh là là! Oh! Non, non. Oh! Énorme ça. Non, il est lilé, non, c'est trop. Comment dire autre chose que global? C'est une machine. Déjà, dans la team, ça se voit qu'il y a de la com, il a des skins, il aura cassé le cul à la WAP, full no scope, je mets global, et c'est ça. Voilà. Exactement. Bon, c'était pas compliqué, hein, les gens qui ont vu le clip. Il y en a quand même 3% qui ont mis Gold Nova et il faudrait aller se faire enculer. Bref, let's go, suivant. Ok, première remarque. Skin de con. Résolution semblable à la mienne. Faible FPS. Enfin, résolution, view model, tout ça. Hein. Et voilà, c'est tout ce que je remarque pour l'instant. Ah, c'est encore un clip bizarre. Oh, le clip bizarre. Mais c'est quoi ces clips bizarres encore? L'autre fois, vous vous souvenez, sur les vidéos, il y avait des clips bizarres où les gens, ils tiraient pas sur les têtes, mais ils mettaient des têtes. Bah là, c'est pareil. Mais en gros, je crois que c'est pas un cheat, mais c'est une manière de record qui est particulière que je ne connaissais pas. Mais en gros, ouais, ça tire pas normalement. Enfin, bref. Bah, il est super chaud. J'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une machine? Moi, j'oserais pas mettre global sur celui-là. J'oserais mettre suprême. Mais global, je sais pas. LEM, vous dites? Non, non. Non, quand même pas. Je vais mettre suprême. Eh, vous croyez que vous allez m'impacter à dire des conneries? Vous pouvez pas me la faire à moi. J'en ai vu des joueurs. Oh! Antitero Reinheit! Terroristen, c'est un Allemand. 1920-1080, USP avec des stickers Team Liquid, photo de profil Magikarp Muscle. Ah ouais. Petite galère sur ce clip, mais... Pouah, il joue contre des gars qui... Attends, en fait, là, c'est pas lui qui me choque, c'est ses adversaires qui tirent sans bouger. Bon, il leur a niqué leur mère. Genre là... Non, lui, ça va, déplacement ok tiers. Lui, déplacement de la honte, hein, White Knight. Ok. Je pense pas que ce soit non plus très bas. Ça doit être du LEM, DMG. Je dirais DMG sur celui-là. Vous en pensez quoi, le chat? Voilà, mais moi, c'est surtout par rapport au mouvement de ses adversaires que je dirais que c'est du DMG. Alors, voyons voir. Ah. Ah, c'est du LEM, putain. Ok. 5 étoiles aujourd'hui. Ça va, ça va. Il lag? Ah ouais, il lag, hein. Il est trop trop content. Moi, ça déjà, c'est pas dans les 3 meilleurs, c'est pas dans les 2 pires. Voilà, pour moi, c'est dans les 4 là. Je dirais que c'est Nova 4. Nova 4, voire MG1. Ça se voit qu'il s'est pas joué et qu'il a... Il a des réflexes vraiment scandaleux. Après, il lag, donc MG1, moi, ça me semble logique. Allez, je pars sur ça. DMG, putain. Ah ouais. Ah, c'était pas évident. Sticker dick sur son AWAP Safari Mesh. APLN. Stylé le stiletto en vrai. Short up. Long. Ok. On a plus short là. Just spot kill en middle. Va short. Dead, bon balancé. Tu peux pas faire deux calls. Flash ou short. Machin qui info. Sokoli. Navim. Skoczył jeden na balkonie.
Dead? Short. Jo. Hraju na bedně, za sloupem. Prošel. Face it. Ouh. Ça va être compliqué, c'est un face it. Donc je peux pas deviner le rang, je dois deviner l'élo. Moi je dis que c'est niveau 7-8. Donc LEM ou suprême. LEM ou suprême, allez je mets suprême, c'est bon, c'est ça, c'est global, ok cool. En vrai global suprême c'est la même merde hein, surtout quand tu regardes du face it. Oh le vieux modèle de fou. Attends. Quoi attends, remets. Merde. Ah c'est un MS ça. Oh le ouf. Bah moi je pense pareil hein. Pareil voire global aussi. Mais là si je mets suprême je suis à peu près sûr que ce soit bon. Ah c'est global encore. Putain. C'est dur de choisir global. L'illusie verte. Ok déjà première analyse. Il a une AK-Vulcain, c'est la sienne. Il joue en 1900-1080 je crois hein. Ou c'est qu'il a un vieux modèle très reculé. Je sais pas. Bon on va voir. Oula, c'est quoi ce scandale? C'est ni un global ni un suprême, déjà, je pense. Mais c'est pas non plus un silver. Déjà, les extrémités, c'est pas possible. Nova non plus. Ok, bon, c'est pas un ace de fou. Je dirais que c'est LEM ou DMG, du coup. Je peux pas dire au-dessus. Impossible. Donc, j'aurais forcément un point, vu que c'est soit LEM, soit DMG. En plus, il a des gants. Il a un butterfly. Attends, ça, j'avais pas vu. Hein. C'est important parce que c'est pas n'importe quel nouveau joueur. Déjà, en plus, il fait un combo gants à AK-Vulcain. C'est pas n'importe qui. Hein. C'est peut-être même un suprême. Il y a moins que ce soit plus, mais je vais mettre LEM. Bien sûr. Après toutes ces analyses, bien sûr, il utilise zéro stuff. Bon, ah, mais le clip est court, hein, tu peux pas te baser sur ça. En plus, il a pas trop de stuff au début. Ça dépend, hein, ça existe des rounds où tu utilises pas trop de stuff. Ok. Alors, analyse. P250 Muertos avec sticker face, gant. Encore une fois, c'est un LEM parce que gant accordé avec le P2. L'homme sait choisir des skins. Il a fait le bon choix. Ok, le clip est plus fluide que celui d'avant. Kill très moyen. Je me dis pas que c'est un ace. Oh putain, le clip dure 53 secondes, il y a rien que ce soit un ace. Ouf. Dommage, c'est sur de la démo. Regarde sur YouTube, No Hyper, il fait des vidéos sur des chin CSGO. Non. Il aurait des skins comme ça. Ah ouais, mais le Deagle, c'est pas le sien. Ok. Dans tous les cas, c'est une démo et je crois pas que tu peux mettre les cheats sur la démo. Enfin bref, il a raison. Ouf. I played 100 games of CS:GO to find out how bad the cheating problem actually is. This challenge will be broken up into 4 sections: casual, wingman, prime competitive, and non-prime competitive. I will play 25 games of each of these game modes and log every single cheater that I find. Let's get right into it. All right, into our. Il est chaud, il est chaud. Non, le montage est chaud. Every day I go more blatant. Cheaters 1v1 for $1000. Mais les concepts sont trop incroyables en plus. Par contre, les minias, je vais l'enculer là. C'est quoi ce bordel? On est en 2005. Ça, c'est des minias qui coûtent 1€, je le jure. Étant donné que c'est probablement un cheater. Regarde, c'est toujours la même chose. Un couteau, un bon combo couteau-gant. Un bon combo couteau-gant. Pareil. À peu près. Bon, là, c'est son cheat. Pareil. Du coup, ça n'a aucun sens. Mais ça c'est peut-être pas lui. Weekly cheating videos, il s'en bat les couilles. Ok, bah frérot, c'est un tricheur, il est global, mais ça va être n'importe quoi en fait. Vas-y, je me supprime. Puis il y a des MGE, mais oui, il a tout baisé. C'était quoi ça? Je viens de l'acheter. Il a fait un tutoriel comment commencer à cheater en 2023. Ah ouais, c'est un enculé par contre. Mais il faut le ban, frère. Il faut quoi, YouTube?